vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de janvier, bien que je vous ai posté il y a peu de temps le book haul du mois de décembre, mais étant donné que j'ai pas pu vous poster de vidéo pendant le mois de décembre à cause de mon PC, j'ai pris beaucoup de retard. Donc là je continue à vous poster deux vidéos par semaine, je sais pas ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous trouvez que ça fait trop ou que finalement vous aimez bien en avoir deux par semaine. Et on va commencer tout de suite parce que ça va encore durer des plombs, parce que j'ai des livres pour moi, j'ai des livres pour ma soeur, enfin je vais vous expliquer ça. Arrête. Je vais vous expliquer ça en avant. Mais bon, il y en a encore pas mal, alors que j'arrête pas de dire qu'il faut que j'arrête d'acheter. Mais plus je le dis et plus j'achète, j'ai l'impression que je vais arrêter de dire des trucs. Hein. Je me suis procuré sur Price via Momox, vous voyez encore l'étiquette, le deuxième tome de Mark & Men, donc aux éditions Hugo Roman, collection New Romance, donc de Jack Ranover, donc c'est Jet, donc la saison 2. Il était affiché en très bon état, mais moi je le trouve dégueulasse, je le trouve moche, il est cassé, je sais pas si vous allez le voir. Bon, il est cassé, le dos est dégueulasse. Voilà, si vous voyez. Voilà, il est dégueulasse. Pour moi, c'est pas du très bon état, donc j'ai ragé un peu, hein, forcément. Mais non, en plus, il manque un bout de couverture là. Enfin, non, Momox quoi. Mais bon, je voulais me procurer avant qu'il soit plus trop disponible. Et avant que les prix flambent, mais bon, clairement, je sais pas si j'aurais pas mieux fait de me le trouver neuf quoi. Je me suis procuré via Price le premier tome de Harry Potter aux éditions Gallimard, en Gallimard Jeunesse de J.K. Rowling. Voilà, Harry Potter et à l'école des sorciers, parce que j'essaye de me faire la collection dans cette édition là. J'en ai déjà 3, j'ai le 5, 6, 7. Depuis un moment, et j'ai un peu de mal à trouver le reste chez Emmaüs. Donc voilà, je commence à me les faire un petit peu quand je vois des prix intéressants. Je sais plus trop à combien je l'ai eu. Je sais plus. Mais bon, ça allait. Et il est en relativement bon état, il y a juste là qu'il est abîmé. Mais voilà. Il y en a certains qui l'ont déjà vu, hein. Je fais quelques petits unboxings sur. Sur Instagram ou Snap, ça dépend, mais voilà. Donc cette année il passe, c'est sûr, mais je sais pas trop si je vais le lire comme ça ou en illustré. Je pense que je vais le lire en illustré, peut-être un câble. Du coup, ma frangine a une nouvelle lubie maintenant, c'est le bon coin, et à chaque fois qu'elle trouve des bouquins intéressants, c'est dans mon coin. Donc j'ai dû me déplacer pas mal pour aller lui en chercher, et elle aussi, elle s'est trouvée donc le premier et le deuxième tome. Alors, celui là je ne l'ai pas moi, hein, donc elle se les est trouvées. Bon, le lot à 10 €, donc ça vaut grave le coup. Donc ils sont en relativement bon état aussi, ils sont un petit peu jaunis, mais donc ça, ce n'est pas pour moi, ça rentre pas dans ma palle. Voilà. Je les ai. J'ai plus qu'à attendre d'avoir en avoir, parce que je vais en avoir pas mal pour elle, et faire un petit paquet. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer. Il y a une de ces pop qui est arrivée. Une, parce que j'en entends encore deux, donc pop in a box. Je suis pas prête de recommander. Parce que ça date quand même le début décembre que j'ai commandé. J'en ai reçu qu'une à ce jour, et à ce jour, on est le. On va être le 28-29 janvier, plus 29, donc c'est quand même agréable, mais bon. Donc, ah, puis il y a un autre, il y a des goodies aussi qui sont arrivés, qui n'étaient pas encore arrivés, mais bon, ça je vais pas le goûter, ça sera la surprise. Donc je vais vous montrer la pop, c'est Harry Potter, c'est celle avec le balai, avec le livre d'or. Enfin, je vais montrer, donc je la spoil pas, mais bon. Il y aura la pop, les livres, non, il faudra que je lui fasse un envoi, ça va,
Ça va peser, je pense. Ensuite, sur Price, moi je m'étais commandé, on va rester dans Harry Potter, je m'étais commandé Harry et la Coupe de Feu. Sauf que voilà, j'ai reçu celui-ci. Ah, donc ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez vu, hein, je l'avais fait l'unboxing et j'étais très très déçue parce que c'est pas celui-là que j'ai commandé. Clairement, ce n'est pas ça que j'avais demandé, j'avais demandé la même édition que les deux autres. Mais voilà, j'ai reçu ça. Ça m'a coûté 90 centimes, hein, j'ai été remboursée. J'ai été remboursée, on ne m'a pas vraiment demandé de le renvoyer, donc je ne l'envoie pas, mais enfin voilà, je vais le mettre dans une boîte à livres, je pense, parce que j'en ferai rien. Il est même pas en bon état, alors que sur l'annonce, il était stipulé qu'il était en bon état. Donc non, très 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 déçue, et voilà. Et pour une fois, c'est pas de ma faute, hein, franchement, c'était bien affiché que c'était l'édition Gallimard. Donc c'est pas. Ça c'est la folie. Voilà, donc déçue. Donc celui-ci va finir en boîte à livres. Clairement, je ne le garde pas. Par où, je sais plus par où commencer. J'ai trouvé plusieurs tomes d'une série à Cash. Donc c'est Laurel K. Hamilton. J'en ai trouvé plusieurs, j'ai le tome 7, le tome 5. Le tome 10. Ça c'est quoi? Le tome 9. Je ne les présente même pas dans l'ordre, mais bon voilà, j'en ai trouvé plusieurs. Et, ils sont relativement en bon état, à part celui-ci qui est vraiment bien cassé. Mais voilà, 3 autres pièces, mais il me semble que j'en ai eu un gratuit ou enfin voilà. C'est souvent quand vous en avez acheté 3, vous en avez un gratuit ou machin. Donc, mais encore une saga, une grosse grosse saga, mais c'est plutôt bien noté. Donc, ils sont quand même gros. Donc il faut que je continue de me les amasser pour recommencer ça, parce que moi j'ai pas le premier tome. Voilà. Je sais pas si vous l'avez vu. Ensuite, je me suis trouvé le tome 2 de la saga Les Bannis et les Proscrits, donc de James Clance. Si, c'est une saga qui me fait très très envie. Par contre, je sais plus si j'ai vraiment le premier tome dans la même collection. Mais bon, c'est pas grave. Voilà pour ça, j'étais contente de le trouver. Ensuite, à Emmaüs, j'ai trouvé le tome 1 et le tome 2 de Tatiana. Je voulais trouver le tome 3, mais je ne l'ai pas trouvé cette fois-ci. Bon, celui-ci, je l'ai déjà lu. Celui-ci, je l'ai lu dernièrement aussi. Mais ceci, c'est pour vous, en fait. Ça figurera dans un des lots du concours. Donc, j'aimerais bien trouver le tome 3 d'ici que je le poste, en fait. Mais bon, je désespère pas. Et ils sont en très très bon état. Donc voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup. Donc ça sera pour vous très prochainement. Oui, il faut un peu peur, hein, mais ça se lit très très bien. Et c'est très réputé. Et bon, donc, clairement, j'enlève les jaquettes. Hein. Je les trouve plus jolies, hein, sur la jaquette. Voilà, ça, restez connectés. Ensuite, toujours à Emmaüs, je me suis trouvé Max de Sarah Cohen-Scali. Il est en état neuf. Mais tu vas arrêter. Arrête pas de sauter au-dessus de moi là. Il est en état neuf, donc ça m'a fait du mal de le laisser. Et ayant lu Tatiana il y a peu, j'étais. Voilà, dans cet univers-là, donc pourquoi pas y replonger, ça m'intéresse. Donc voilà, je l'ai pris. Ensuite, toujours à Emmaüs, j'ai trouvé Beignet de tomates vertes de Fanny Flagg. Il est super bien noté et enfin voilà, j'en ai souvent entendu parler. Pareil, il est en état neuf, donc je me suis dit pourquoi pas. Il y a quand même un travail monitorial quand même. Donc ouais, je me suis dit pourquoi pas.
c'est en édition que j'ai lu. Voilà, il a dû me coûter 50 centimes, 1 euro, donc j'ai pris. Ensuite, sur le bon coin, ma frangine a trouvé donc le tome 7 de la saga Les vampires de Manhattan, je vais y arriver, donc de Melissa de la Cruz. Il est en très bon état. Je vois qu'il est un tout petit peu cassé, donc c'est pas encore plus dessus. Mais voilà, c'est le tome qui lui manquait. Il me le manque à moi aussi, mais bon, je le trouverai. Hein. Mais il est très joli, je trouve. Donc voilà, encore un livre pour ma frangine. Je ne sais plus, il a dû me coûter 3 euros. Et chez la même vendeuse, je me suis procuré donc Maudite, le tome 2. Parce que j'ai le tome 1 dans ma palle. Et enfin voilà. Et je l'ai lu, c'est la première fois que je le voyais. Donc j'ai pris une édition Hachette. C'est la collection de la Ponte, ça. Ouais. Donc voilà. C'est de Michel Zink. Et alors moi j'ai celui-ci. Dans ma palle, vous n'allez pas le voir. De toute façon, je peux sortir et derrière. Mais voilà. Je me suis dit, autant en profiter. J'ai dû l'avoir à pareil, 3 euros. 3, 2 euros, je sais plus. 2 euros, je crois, celui-ci. Donc voilà pour ça. Donc le bon coin. Si vous n'avez pas encore testé pour regarder des livres, bah, allez-y. Hein. Mais ne me frappez pas après. Ensuite à Emmaüs, j'ai fait remettre de côté plusieurs livres passés pour ma soeur, encore une fois. Parce que bon, elle a trop. Je lui avais montré que j'avais déjà vu ça. Et elle, peu de temps après, elle en a trouvé. En occasion près de chez elle, donc j'ai été les rechercher. Mais, du coup, oui, il y en a pas mal. Hein. J'essaie de les mettre dans l'ordre. Voilà. Donc je lui ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tomes de la saga Cherub. Voilà, parce qu'elle, elle a trouvé le tome 1 et le tome 4. Et donc moi, j'avais le disponible du tome 1 au tome 9. Donc je lui ai pris ce qui lui manquait, donc le 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc on a Trafic. Je vais le mettre sur sa pile. Arizona Max. Donc c'est de qui ça? C'est de Robert Muchamore. Muchamore, je sais pas. Les survivants. C'est du jeunesse. Hein. Là 100% à 9, ça coûte quand même 15 euros ça. Voilà. À la dérive Mad Dogs Crash. Donc voilà pour ça. Je crois qu'il y a bébé qui s'est réveillé. Je vais me dépêcher de finir. Ensuite à Emmaüs, j'ai trouvé un Agnès Ludig en état 9. Donc Marie d'en haut, très bien noté, édition Pocket. Donc j'ai pris. Ensuite, je me suis trouvée Immortel, donc de Kate Tiernan. Je crois que c'est le premier tome, je suis pas sûre. Donc voilà. Ensuite, à Emmaüs, j'ai trouvé un Cecilia Ahern, donc un cadeau du ciel aux éditions J'ai lu. Ensuite, j'ai trouvé un Gallimard Jeunesse, il est trop beau, je trouve. Donc, Herman, de Ewan Colfer, je sais pas comment ça se dit, Ewin, je sais pas. Mais très très joli, je trouve. Ensuite, bah, j'ai trouvé La Cité des Ténèbres, donc Les Anges des Sutus de Cassandra Clare, mais bah, je l'ai déjà. Il n'est pas dans cette édition là, donc soit je le mettrai sur ma boutique Price, je sais pas ce que j'en faire, mais voilà, moi je les ai, une édition grosse édition, je sais pas si vous allez voir, mais je les ai dans le gros. Oh, j'ai perdu mon cœur, c'est pas grave. Donc celui-ci, voilà, je sais pas trop. Ensuite, sur le bon coup. Oui, le bon coin. Je me suis procuré Maya Banks, donc Crush, édition Harlequin, collection et H. Il est super joli. Donc voilà, il m'a coûté 2 euros. Ouais, 2 euros, je l'ai. Donc voilà. Et pour ma sœurette, j'ai été chercher Millennium 5,
Donc le dernier tome qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et je l'ai lu à 3 euros. Donc voilà, de bonnes affaires, du boulot quoi. Donc voilà pour ce haul, je vais pas rester plus longtemps, hein. Bébé est réveillé, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.